Bonjour à tous. Bon, bah aujourd'hui je fais un petit plan d'eau pour une pêche de journée. Je voulais essayer pour une pêche tapis, justement des appâts un peu spéciaux, pas des bouillettes comme d'habitude. Parce que habituellement c'est vraiment d'avancer à la bouillette et de pêcher la bouillette. Là, je voulais une pêche tapis et des appâts un peu alternatifs comme il fait très chaud pour l'instant cette année-ci. L'été il est un peu particulier chez moi. Il y a beaucoup d'orages, il y a quelques canicules, puis orages, hausse canicule, orages. Bref, les rivières c'est out, elles sont en crue. Donc il reste que des plans d'eau et ce genre de choses, évidemment, etc. Je voulais essayer de sortir de ce qu'on fait habituellement et de pêcher avec des choses un peu alternatives. Et pour ce faire, j'ai choisi de pêcher avec des pellets. C'est du classique, hein, tout le monde connaît les pellets, tout le monde pêche avec ça. Là, j'ai essayé des pellets qui sont un mélange de betaine et ultramix. C'est un mélange de 4 pellets de taille, donc de 4 mm jusqu'à 11 mm. Ils sont composés par nous, enfin, par c'est mort, par la boîte, donc c'est pas une sous-traitance qu'elles font. C'est pas des pellets piscicultures qui sont juste boostés vite fait. Ce sont des pellets qui sont composés avec nos chaussettes. Dans ce pellet, qui a été rajouté, ce sont les extraits de moule et du scud. On parle des laisses de pêche habituelles. Ils sont très très gras, ils sont vraiment très très riches. Quand on ouvre le paquet, vos femmes vont crier. Maintenant, en tout cas, moi, elle a crié. Et c'est un produit qui est vraiment intéressant, je trouve. Ils marquent vachement le fond et ils font progressivement. Le fait qu'il y a 4 tailles différentes dans le mélange offre justement 4 temps de dissolution différents, logique. Puisqu'il y a vraiment des tout petits comme ceci, jusqu'à des pellets jusqu'à 11 mm. Comme il fait super chaud et que j'aime bien que les pellets ça vaille vite mais aussi qu'il en reste sur le fond pour quand les poissons rentrent, je les nappe avec de l'huile. Avec l'huile, quelle huile qui est dans les pellets, donc c'est vraiment l'huile pellet salibut classique. Ça sent fort le poisson, c'est assez désagréable. Pour un saut comme ceci où il y a plus ou moins 5 kg de pellets, pardon, je mets un capuchon d'eau, c'est largement assez, je les secoue bien, je les nappe bien, j'attends un peu qu'ils s'apprennent, une heure ou deux c'est assez. Une fois qu'ils sont bien aplanés, j'arrive plus ou moins à gagner un bon tiers, si pas la moitié de temps de dissolution en plus. Ce n'est pas négligeable. Donc on peut commencer avec un mix de pellets non nappés et nappés, ce qui fait qu'on va avoir un temps de dissolution sur quand même 5, 6 heures, 4, 7 heures. Et dans mes rappels, je travaille avec des pellets qui sont non nappés, pour travailler très très vite dans les rappels sans avoir de touche par exemple, pour optimiser le coup, pour justement engrainer un peu comme la pêche de vie sur la pêche sur rappel classique à la canne, vraiment pour exciter les poissons progressivement avec des pellets qui font très vite. À côté de ça, quand je fais une touche, je vais mettre des pellets qui sont nappés pour que ça reste plus longtemps, un peu comme quand c'est une bouillette, pour que ça soit vraiment un rappel plus long, en fait, qui ait de la bouffe sur le fond, vraiment. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette gamme, c'est qu'en fait, je peux écher un appât que lui ne va pas fondre. Certes, ça n'a pas un pellet dans le sens où ça n'a pas la même texture qu'un pellet qui va fondre comme un pellet, mais à côté de ça, c'est composé comme un pellet, c'est la même composition, sauf que c'est flottant. Certes, c'est pas 100% la même composition, mais sur les mêmes additifs, sur les mêmes messages, quand on ouvre le pot, ben, ça sent pareil. C'est nappé avec la même huile. Donc ce sont des dumbbells de 12 sur 14, ça ressemble vraiment à la grosse taille de pellets, un poil plus gros, c'est flottant, donc il y a moyen de faire beaucoup de choses. Là pour l'instant, ici j'ai remarqué que pour ma pêche, j'ai une pêche très difficile, j'ai décoché un poisson tout à l'heure, et les poissons viennent manger sur mon cou, je les vois, en extrême bordure dans mon dos, les poissons viennent gratter, je les vois vraiment venir, mais comme c'est décollé de 3-4 cm, j'ai l'impression que ça ne me fait pas. Donc du coup, je les ai forés un petit peu, mis un petit plomb à l'arrière du pellet, pas au niveau du stop à pas, mais au niveau de mon hameçon, pour pêcher un peu sur le fond. Ça fait 10 minutes que ça pêche comme ça, on verra ce qui se passe. Il y a aussi un stick mix. Le stick mix, c'est l'Oli Bag Mix, donc comme c'est écrit, c'est très gras, c'est super dense. Donc là, vous avez vraiment un mélange de différents pellets et de différents farines. Il y a des extraits de protéines de poisson, des extraits de squid, non, une comme ça. Ouais, des protéines de poisson, pardon. Ils sont vraiment forts, il est vraiment très gras. Moi, je le nappe encore un peu plus parce que je veux vraiment que ce soit excessivement gras. Je veux vraiment que ça crée une tache huileuse dégueulasse qui monte jusqu'en surface et qui travaille. Donc, si c'est ce que j'ai mélangé avec un peu des pellets comme dans mon amorçage, il est vraiment gras, quoi. Vraiment gras, quoi. Et sur l'autre canne, voici dans le même principe d'alternative, j'ai mis des pellets de la chaîne, donc c'est des pellets de 6 qui font plus ou moins un croiseur. Pour aussi garantir leur dissolution, je les ai nappés avec le liquide Belachan pour aussi gagner en temps de dissolution. J'en ai plus ou moins, hier j'ai vu dans un verre, les non nappés font dans moins de à peu près 3 heures dans une eau à 18-20. Les mêmes nappés, ils tiennent un peu plus de 90. Donc c'est pas dégueulasse de gagner 50% de dissolution plus, moi ça me convient très bien. Et dans le même principe, on a aussi des charges, ce sont des dumbbells de 10 sur 14. Qui sont équilibrés, donc ils font couler la pointe tout doucement de l'hameçon suivant la taille de l'hameçon. Là j'ai voulu pêcher très fin, ce qui fait que j'ai décroché un poisson bêtement. Il y a beaucoup d'herbiers, je sais pas sourire dans mon dos, mais il y a vraiment beaucoup d'herbiers. J'ai décroché un petit poisson, je l'ai vu parce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis un hameçon de 6, mais très petit, très fin, donc je l'ai ouvert. Et là par contre il était un peu flottant parce que justement l'hameçon de 6,
était extrêmement léger. J'ai l'impression qu'il était flon, qui était vraiment très léger et ça me fait pas. Là j'ai mis un hameçon de 4 pour le faire, ça fait juste que je peux décoller, ça fait comme ça avec le dumbbell, c'est vraiment bien. Et dans le même ordre d'idée que pour l'autre canne, un stick mix quelque pareil, composé à base de belachin et d'extrait de poisson et un peu de chenille pour que ça pétille fort. Par contre celui-ci, je voulais pas avoir le même effet que le PS Trail 2, je voulais avoir un effet de stick beaucoup plus léger. Là on voit il est vraiment très très volatile. C'est vraiment une farine très fine et foncée, elle sent très très fort. Vraiment c'est assez prenant au nez, c'est vraiment le belachin, c'est vraiment une odeur très typique. C'est de la crevette fermentée et c'est vraiment très typique. Donc du coup, moi ce que j'ai fait dans mon stick mix, c'est que je l'ai mouillé légèrement, pas trop, mais quand même pour que c'était la minimum. Et avec pas mal de PS de 6 nappés quoi. Comme ils sont nappés, ils sont un poil plus mous, mais par contre ils font beaucoup moins vite comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment la technique que j'ai mis en place pour cette pêche de journée. Parce que si je pêche toute la journée, j'ai fait un petit coup du matin et je fais un petit coup d'après-midi. J'espère pouvoir vous montrer un poisson d'eau parce qu'il n'y a pas de gros poissons dans le site. Les plus gros vont autour des 15 kg. Donc pour moi c'est déjà un très gros poisson, mais c'est pas non plus des spécimens de dingue. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de poissons de pêche. Mais les poissons sont quand même pas naïfs, c'est pas simple. Et comme je pêche en eau hyper claire et très peu d'eau en extrême bordure, les poissons voient un peu tout. Donc là j'espère vous montrer un joli poisson, c'est ça qu'ils ont une belle robe, ils sont en forme, ils sont des beaux poissons, ils ont un peu un côté old school british, je trouve qu'ils sont vraiment quelque chose d'intéressant. Thank you.
sondage près, c'est un peu mieux que le premier jour. Au moins, j'en ai pas d'intérêt seul. C'est pas un monstre. Mais bon, ça fait plaisir. Surtout la gamme Belachem qui s'est révélée la plus efficace. À mon avis, c'est pas trop une question d'avant, puisque les poissons entrent vraiment bien sur l'amorçage. Je pense que c'est surtout une question de densité. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à pêcher sur le fond, la wafter soit vraiment sur le fond, j'ai mis un très gros hameçon, ce qui m'évitait aussi de décrocher des poissons comme le premier jour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plantes. Et du coup, ça marche pas trop mal, quoi. Bien content. Un petit carassin. Bon ben, c'est fin de la deuxième journée. Je n'avais pas été pour finir passer mon week-end comme je voulais faire sur le plan d'eau. Je me suis retourné sur le petit plan d'eau parce que j'étais un peu blasé d'avoir fait trois touches et pas décroché. Là, je viens de faire ma cinquième touche, je l'ai décroché au contact. On a allumé la caméra, etc. Bref, du chipotage que j'ai fait. Je ne vais pas tarder à y aller, je fais un gros rappel, je vais venir demain 7 et tôt, comme ce matin. Je vais faire un petit coup du matin, 3-4 heures, puis faire un break et recommencer un peu 3-4 heures l'après-midi, comme aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. J'ai quand même fait 8 touches sur une quinzaine d'heures de journée. Les baies sont vraiment bons. À partir du moment où j'ai commencé à batouquer sur le fond, et vraiment qu'il y avait quelque chose qui décolle et puis décoller 2-3 cm, j'ai commencé à en acheter beaucoup plus de touches. Cependant, je vois beaucoup de poissons sous mon cou et j'en touche pas tant que ça. Donc je pense qu'ils sont un peu plus pêchés que quand je venais il y a 3-4 ans en arrière. Parce que les poissons rentrent, ils se nourrissent, mais je suis obligé de monter assez costaud et de monter des grosses tailles d'hameçon parce qu'il y a beaucoup de plantes et que je décoche. Je suis passé en hameçon vraiment assez gros, donc vu la taille de mon neige qui est de 10 sur 14 ou de 10 sur 14, pardon, ça fait vraiment petit pour la taille d'hameçon que j'avais. Bon, apparemment ça va quand même faire aujourd'hui, j'ai quand même fait 5 touches et j'ai raté qu'un poisson maintenant parce que j'ai perdu du temps avant d'allumer la caméra, donc c'est même pas une question que mon montage n'était pas très efficace, c'est moi qui n'ai pas été efficace. Donc demain je vais faire la même chose, j'hésite même à pêcher qu'un seul canne pour essayer de mettre moins de bannières dans l'eau puisque je pêche qu'avec les mêmes appâts.
Enfin, mes deux cannes pêchaient quand même à bas sur 5 mètres carrés en extrême bordure. Donc il n'y a pas trop de changement. Donc je pense que demain je pêcherai plutôt une seule canne, histoire d'optimiser mes chances et de vraiment mettre moins de pression sur le coup. Là j'ai me barré, je vais mettre un petit 3-4 kg de pellets histoire de bien activer la zone dans la nuit, laisser les poissons tranquilles cette nuit, me reposer et venir demain tôt au matin.